Duena, qui vient de célébrer ses 18 ans, estime que c'est une mesure utile, mais il ajoute qu'il y a forcément une arrière-pensée politique. Nishta estime que c'est une façon pour le gouvernement de se mettre les jeunes dans sa poche. Cependant, elle accueille cette mesure. Mais c'est ça, je vais rester moi pour petit de l'année. Mais c'est moi pour moi, je profite de lui. Je vais gagner mon pays. Manger, mais la poisse tient à sa fait encore. Ouais. Pour Samuel, c'est une belle initiative. Cet argent va l'aider dans ses études. Mais il ajoute qu'il faut prendre en considération le fait que les élections approchent. Moi, je pense que ça 20 000 roupies là, c'est capable pour cette une bonne initiative, mais quelque part aussi, il ne faudrait pas oublier qu'il y a élection derrière la porte et qu'il y a un certain ulterior motive derrière ça. Mais merci quand même, parce que je peux gagner. Moi, personnellement, je suis capable d'aider-moi, in the sense que je peux garder mon compte, si je veux que ce soit pour l'école, même après ou même pour moi, n'importe quoi. Donc, comment le ministre, je suis capable de servir à l'argent justement pour rentrer comment dans le monde adulte. Toumadi soutient que cela va aider bien des adolescents à concrétiser leurs projets, mais personnellement, elle ne sait quoi faire de cet argent. Si nous avons un projet, nous avons fait un projet là, parce qu'il y a un enfant qui a 10 ans, qui peut nous demander de faire un projet, alors qu'en même temps que nous avons fait un projet, nous avons fait un projet. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.